Bonjour à tous, donc voilà, comme certains nous l'ont demandé, on va vous proposer aujourd'hui un petit tuto de comment réaliser un masque en tissu. Il est certain que porter un masque en tissu, ça ne remplacera jamais un masque chirurgical ou les autres masques dont on parle partout, mais c'est mieux que rien. Donc si vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas rester chez vous, que vous devez absolument sortir pour aller à la pharmacie, pour aller travailler, pour aller faire des courses, ou que sais-je, protégez-vous, protégez les autres et portez un masque. Donc la première chose à faire, c'est de prendre deux morceaux de tissu de 20 cm sur 20 cm et de les placer endroit contre endroit. Après, vous faites une couture droite sur toute la longueur à environ 1 cm du bord. Et vous faites la même chose sur le côté opposé. Une fois que vos deux coutures sont faites, vous pouvez prendre deux morceaux d'élastique d'environ 18 cm et vous venez les placer à l'intérieur de votre de vos deux morceaux de tissu et vous les accrochez sur le bord pour venir les coudre après. Voilà, vous pouvez les laisser dépasser un petit peu et sur l'autre bord et vous venez l'accrocher. Donc votre élastique est maintenant à l'intérieur et vous faites la même chose de l'autre côté avec le deuxième élastique. Donc pour le deuxième côté, il va falloir laisser une petite ouverture pour pouvoir retourner le masque. Donc il va falloir coudre l'élastique en deux fois. On va coudre la première partie. Vous coupez votre fil. Et puis on s'occupe du deuxième côté de l'élastique. J'abaisse mon aiguille, je retire mon épingle et on coupe le deuxième élastique. Le fil. Et donc on a les deux côtés qu'on avait cousus au début, le côté avec l'élastique ici qui est complètement cousu et l'autre dans lequel il reste un petit trou pour pouvoir retourner pour que les coutures soient à l'intérieur. Et maintenant on peut retourner le masque par le petit trou. Donc vous avez toujours l'endroit qui est non cousu ici qui va se coudre
à la dernière étape, qui est de faire 3 plis d'environ 2,5 cm chacun. Donc maintenant on a fait les 3 plis du masque. Un pli fait environ 2 cm. Et ils sont maintenus avec des épingles. Je vais maintenant me placer sur le bord. Je mets bien le tissu au bord et je découvre. Avant et une petite marche arrière pour renforcer la couture. J'arrive proche de mon épingle, je la retire. Je remets bien les deux tissus bord à bord et je continue. Et quand je suis au bout, je fais une petite marche arrière pour solidifier ma couture. Voilà. Vous avez donc maintenant un masque qui va pouvoir venir se poser sur le nez, le menton et s'accrocher aux oreilles avec les élastiques.